Bien. Qu'est-ce que vous faites? Une tranchée, on nous a signalé une fuite de gaz par ici. Le mois dernier, c'était pour les canalisations d'eau. Oui, mais moi j'exécute les ordres. Et on doit commencer par votre trottoir de toute façon. Et quand ça? Tout à l'heure, j'attends l'équipe avec le matériel. Vous pourriez quand même prévenir, vous rendez compte, un samedi? Oui, je comprends, chacun son boulot. Le samedi, c'est mon meilleur jour. Si les clients ne peuvent pas approcher de la vitrine, moi je perds la moitié de ma semaine. Mais sans ça, quel est votre jour de fermeture? Le lundi. Écoutez, je dois attaquer derrière un chantier, la rue du Viel. Ça vous arrangerait si on commençait seulement lundi matin ici? Ça, vous me rendriez service. Vous permettez? Ah non. Mais si, je vous en prie. Pas question, vous pouvez arrêter. Vous prendrez un verre à ma santé. Oh, d'accord, si c'est pour consommer tout de suite, alors ça va. Ah, ça fait plaisir de rencontrer des gens compréhensifs. Bon, écoutez, alors on attaque lundi matin, puis le soir, soyez tranquille, tout sera fini. Parfait, parfait. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir, au revoir. Ah, dis donc, écoute ça. Audacieux cambriolage rue Figeac. Les voleurs se faisant passer pour des ouvriers du gaz de France creusent une tranchée et pénètrent dans la cave d'une bijouterie. Butin 40 000 nouveaux francs. Tu sais que c'est vraiment incroyable comment les gens se laissent rouler. C'est le bijoutier lui-même qui les avait priés de venir le jour de fermeture. Oui, le Telex a donné des renseignements à ce sujet. Ce sera un coup de la bande à Charlie. La bande à Charlie, qui est-ce? Je connais pas. C'est une équipe qui s'en prend aux bijouteries. Ils emploient à chaque fois un nouveau stratagème. Mais qui est-ce, Charlie? Je te pensais pas, c'est le cerveau de la bande. Ils participent jamais aux opérations et suivant les cas, ils changent d'exécutant. Tu sais que c'est vraiment dommage que la rue Figeac se trouve pas dans le secteur. Non, mais dis donc, tu crois tout de même pas que le patron te confiera une affaire semblable, non? Bonjour tout le monde. Pourquoi le patron ne confierait pas ça? Parce que les vols dans les bijouteries, c'est mon rayon. N'est-ce pas, Mlle Moreau? Ne contrariez pas là-dessus, c'est sa marotte. Allez, escroquerie. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, je viens pour porter plainte. À qui dois-je m'adresser? Une plainte, et pour quel motif? Je me présente, Muller. Vous êtes bijoutier? Oui, et je suis victime d'un vol. D'un vol? Oui, un vol. Ah, bravo. Un vol important? Oh, n'exagérons rien. Ici, c'est monsieur qui s'occupe des bijouteries. Si vous voulez bien me suivre. Oui, oui. Pardon. Tout à l'heure, je me suis moqué de lui, mais c'est vrai qu'il connaît bien la question. Je me demande comment on peut connaître quelque chose à ce métier sans être sorti de Beaujon. Je comprendrai plus tard. Bon, allons-y. Comment ça s'est passé? Depuis un mois, je constatais certaines disparitions. Oui. Mais j'étais pas sûr moi-même. On vous volait quoi au juste? Bon, pour des babioles. Des valeurs. La valeur ne compte pas. Écoutez, M. Muller, vous évaluez ces babioles à combien? Je ne sais pas, moi. Essayons d'en dresser la liste. Oui, mais alors, ça fait dans un ordre à peu près, un presse-papier, deux cendriers en cristal, une paire de draps. Une paire de draps? Oui, une paire de draps, 12 disques, des 33 tours, un livre de cuisine rarissime, puis sans compter les boîtes de conserve, les peignoirs de bain, les embouchoirs, les... Je comprends pas du tout. C'est un de vos proches qui... Ah, oui, c'est la femme de ménage. Je lui ai dit de ne plus remettre les pieds chez moi parce que je pensais pas porter plainte. Non, mais enfin, ce matin, je me suis aperçu qu'elle avait fracturé mon bureau. Fracturé? Oui, fracturé. Elle m'a volé deux stylos, un vieux portefeuille et une belle boîte de cigares. Si elle a fracturé, hein, oui, je l'ai constaté. Vous savez, ça m'arrange pas du tout, votre histoire. Mais moi, j'ai beaucoup de travail ce matin. Je sais. Bon, écoutez, allons-y. Oui, allons-y. Bon, monsieur, vous n'auriez pas un panier à salade? Oh, c'est pas vrai!
Comment tu vas, toi? Ça va, et toi? Tu sais, j'étais dans le quartier pour le business, alors je me suis dit, je vais lui dire bonjour. Ta femme va bien? Ça va. Elle est môme? Ça pousse. Et toi, le travail? Oh, bah, mon vieux, il y en a plutôt de trop. Tu prends de l'apéro? Oh, bah, dis donc, pour une fois, je te vois. Ben, moi, tu vois, je mène une petite vie peinard. Le matin, je travaille, puis l'après-midi, ma nièce garde la boutique. Alors, je vais à Vincennes. Moi, les canassons, ça me distrait. Et toi? Ben, moi, Turbin, tu connais toujours. Pas marre du Turbin. Non. Ça sera Ben, 2,5, hein. Enfin, oui. Très bien. Pression, hein. Non, j'en ai pas marre du Turbin. Ben, pourquoi tu laisses pas tomber? Ben, toi, dis donc, sans ton coup dur, t'aurais lâché la police. Oh, oh. Ah, dis donc, moi, il y a les jours où je me dis, heureusement que ces seringueurs m'ont bousillé la patte. Parce que maintenant, je me la coule douce. Oh, dis donc, regarde le mec là-bas. Ouais. Il ressemble à Bouillac. Ouais, mais c'est pas lui. Oh, bah non, malheureusement pour Bouillac, il a moins de cheveux que ça. Tu sais que je l'ai revu le mois passé. Oui, il habite Toulouse maintenant, il vient de temps en temps. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il représente une marque de cognac. Oh, bah dis donc, si un jour il vient à Paris, tu me téléphones, hein. Ah, oui, d'accord. Ah, la tienne. La tienne. On se fait un petit dîner tous les trois. Ça te rappelle mon temps, quoi. Déjeuner. Ah, zut. On a été retardé par des embouteillages. Bon, alors, où est-ce qu'on dépose le matériel? Quel matériel? Les planches pour la palissade. La palissade? Vous n'êtes pas au courant? Non. Ah, mais M. Muller va faire son magasin. Ah, ben, je l'ignorais. Bon, alors, on en repose tout dans le couloir, seulement ça va pas tenir. Ah, non, pas ici, hein, je viens de balayer, moi. Ben, vous n'avez qu'à attendre M. Muller. Ah, non, je peux pas, regardez, je suis incessamment interdit, et puis j'embouteille toute la rue. Oh, mais débrouillez-vous avec votre fourbier, on ne m'a rien dit, je veux pas le savoir. Ah. Salut. Bien
maintenant. Qu'est-ce qui a apporté ça? Bah eux. Bah les ouvriers. Les ouvriers, mais pourquoi faire? Bah la palissade. Mais quelle palissade? Oh, bah pour votre façade. Ma façade. Bah, expliquez-vous. Oh, bah j'en sais rien, moi. Vous ne me tenez pas au courant de vos projets. Oh, pou, pou. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Allô? Ah, comment allez-vous, monsieur Muller? Non. Oh là. Ne quittez pas, hein. Patron, la bijouterie Muller a été cambriolée. Vous savez, c'est le type qui a dû porter plainte ce matin. Prévenez le, j'arrive tout de suite. Vous dites, monsieur le commissaire, vous êtes là, oui. Monsieur le commissaire se rend chez vous, hein. Ne touchez à rien. Hein. Le patron va certainement te confier l'affaire. Pourquoi ça? La joaillerie, c'est bien ta spécialité, non? Ah, vas-y, venez avec moi. Pardon. Non, non. Ça, je vois pas très bien ce que tu me reproches. Je ne vous connais pas et je vous demande de ne pas me tutoyer. Ben, si tu me connais pas, pourquoi tu me parles? Ça suffit. Quoi? Ben, alors je me tais, parce que alors je tutoie tout le monde. Ça, c'est, je peux pas faire autrement. Ça, c'est vrai, hein? Je trouve ça très mal élevé de dire vous. D'accord. Écoute-moi bien. T'es un petit escroc. Moi? Oui. Oh, je comprends pas. Répète. T'es un petit escroc. Je comprends toujours pas. Et on ne vend pas des journaux invendus. Non? Non. Pourquoi? La loi l'interdit. T'es sûr? Oui. Je te crois. Moi, je le savais pas. Ah, tu le savais pas et ça fait trois fois qu'on te pique. J'oublie. Eh ben oui, oui, j'ai tellement de trucs dans la tête à penser, moi. On le connaît, ton truc, hein. Monsieur se débrouille à piquer des stocks d'invendus, des journaux pour enfants, et toi, tu les vends à la poignée à la sortie des classes. Et alors? Alors, tes hebdomadaires portent en toutes lettres le mot « invendu ». Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les vendre. Ah non, pardon. Invendu, ça veut dire qui n'a pas été vendu. Écoute, si tu fais le malin... Bon, ça va, je me tais. Mais si tu cherches dans le littré, tu verras. Enfin, tu ne peux pas trouver un travail comme tout le monde, non? Non. Ah non, et pourquoi? Parce que je suis un philanthrope. Philanthrope. Et en quoi? Mais pour 100 balles, je leur donne 5 magazines aux enfants. Je leur rends service. Dans les kiosques, ils les vendent bien plus cher que ça. Et puis, par la même occasion, je me rends service un peu à moi aussi. Non mais excuse-moi, mais la loi l'interdit. Eh ben, la loi n'encourage pas la baisse des prix. Toi, tu veux toujours avoir raison, hein? Oh bah bien sûr. Sans ça, à quoi ça sert de causer? Mon Dieu. Quelle catastrophe! Voyons, madame, allons, reprenez vos esprits. Allons. Oh, bah, je voudrais bien, mais hein? Je peux pas. J'ai mal à la tête. Vous voulez pas essayer de me raconter tout ça? Hein? Bah, ça a débuté dès le retour de monsieur Muller. Mm-hmm. Des élancements, là, sur le côté. Oh, donnez-moi la main. Si. Et madame, vous voulez qu'on appelle un médecin? Non, c'est pas ça qui ramènera les bijoux, hein, monsieur Muller. La PJ est prévenue, l'identité judiciaire aussi. Ils relèveront les empreintes. Avez-vous une idée du montant du vol? Non, je ne sais pas encore.
Et dans le coffre, vous êtes sûr, ils n'ont rien pris? Bah, en arrivant, j'ai vérifié. Le coffre était fermé. Je ne pense pas qu'ils aient voulu forcer la serrure. Mmh. D'ailleurs, mes plus belles pièces se trouvaient en vitrine. Oui, alors dressez-moi une liste des bijoux disparus. J'avais un stock de très belles montres. Mmh. Ils m'ont laissé que les minables. Alors, vous me notez tout ça? Oui. Pipelette, rien à en tirer. Vous m'excusez. Bonjour, madame. Il paraît qu'un des gangsters vous a adressé la parole. M'en parlez pas. Votre témoignage est pour nous, vous le comprenez aisément, d'une très grande importance. Je suis une misérable. Ah, mais non, mais madame, vous n'êtes pour rien dans cette affaire. Cela aurait pu arriver à n'importe qui. Oui, mais c'est à moi que ça arrive. Toute ma vie, je m'en voudrais. Toute ma vie. Alors, essayez de me décrire l'individu en question. À quoi bon? Vous ne le retrouverez jamais. Mais si. Ces gens-là sont plus malins que vous et moi, allez. Ben, heureusement, pas toujours. Alors faites un effort, essayez de vous souvenir. Comment était-il? Grand, petit? Moyen. Eh ben, voilà déjà un renseignement utile. Brun ou blond? Châtain. Ah non, 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 j'en suis pas sûre. Ses yeux, quelle couleur? Ben, ma foi. Enfin, pas le moindre signe particulier qui ait attiré votre attention. Plus vous me posez des questions, plus la tête me tourne. Il avait deux acolytes. C'est ça, deux. Et quel genre? Ah, ça. La camionnette, quelle marque? La marque? J'y connais rien en automobile. C'est pas ma faute. Vous n'avez pas pensé à relever le numéro? Le numéro? Quel numéro? Mmh. Oh, j'en supplie, monsieur le policier, arrêtez-le pour me faire plaisir. Oui, comptez sur nous. Hein. Restez avec moi jusqu'à ce soir. Non, pardon. Non. Oh, si, pour annoncer la nouvelle à mon mari, moi j'oserais jamais. C'est ça. Allô? Oui? Ah, bonjour, Martial. Non, pour l'instant, rien de valable. Allô? Ne quittez pas, je vous le passe. C'est pour toi. Ah, c'est toi. Quoi de neuf? T'es libre tout de suite? Il faut absolument que je te parle. C'est très important. Enfin, important pour toi surtout. Ah non, je peux pas te le dire par téléphone. Non, ça m'ennuie, ça. Ma femme m'avait chargé d'acheter le dîner. Ouais, ben mon vieux, tu compteras plus tard, hein. Je t'attends au café de ce midi, ciao. Bon, j'arrive. Ciao. Voilà, monsieur. Merci. Salut. Je te préviens, je reste pas longtemps. Assieds-toi, qu'est-ce que tu prends? Comme toi, un demi. Patron, un demi pour monsieur. Bon, alors vas-y, raconte. Mon vieux, dans la police, c'est comme partout ailleurs. Oui. Il y a ceux qui font le boulot, et puis ceux qui en profitent. Ah, et c'est pour me dire ça que tu m'as demandé de passer. Non, écoute, au lieu de poser des questions. Encore une fois, je suis pressé. Hein, ah, vas-y. Ben, on le sait. Ah. Écoute, Albert. Oui. T'es mon ami, et je veux t'aider. Comment cela? Eh bien, voilà. Cet après-midi, quand je suis rentré de Vincennes, j'ai appris que la bijouterie Muller avait été cambriolée. Ça, je sais. Et les ouvriers étaient de faux ouvriers. Ça, je sais aussi, figure-toi. Mais ce que tu ignores, c'est que moi, j'ai vu un gars sortir de la bijouterie avec une sacoche à la main. Il est monté dans une camionnette et adieu, Berthe. Tu l'as vu? Et tu pourrais me donner son signalement? Oh, facile. C'est le gars qui lisait son journal devant le métro. Et qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Bouliac. Une information comme celle-là, qu'est-ce que tu vas en faire? Bah, je vais la repasser à Martial, c'est lui qui s'occupe de l'enquête. Tu comprendras jamais rien. Mais non, demain matin, tu cours au fichier. Le gars qui a fait le coup, c'est pas un amateur, il a un passé. Tu farfouilles dans les fiches, tu trouves la photo du gars qui ressemble à Bouillac, tu le cherches tout seul, et puis avec un peu de peau, tu le cravates. Mais t'es fou, mais je peux pas, moi. Alors jusqu'à la retraite, tu moisiras sur ta chaise. Mais tu te rends compte, qu'est-ce qu'il dirait Lambert? Oh, mais si tu cravates le casseur, ils te féliciteront. Ils t'offriront de l'avancement, je les connais mieux que toi, crois-moi. Oh non, Justin, je ferai pas ça. Réfléchis. Réfléchis toute la nuit si tu veux, mais demain matin, fais-moi un plaisir. Fonce au fichier, tout seul, sans prévenir personne. Enfin, c'est pas une mauvaise idée, non? Ouais, bien sûr. Mais comprends-moi. Rocard, d'accord, tu musardes, là, tranquille, dans ton coin. Résultat, on t'oublie. Mais ils finiront par te marcher dessus. Les jeunes, surtout. Tu me connais, moi, j'aime pas tellement me compliquer la vie, moi. Ouais, on dit ça. Mais si tu les épates pas un peu, ils finiront par avoir de moins en moins d'estime pour toi. Crois-moi, Albert, dans ce coup-là, t'as tout à gagner. Si ça foire, ça, moi, je suis joli. Si ça foire, personne ne le saura.
Ouais, ça c'est vrai, ça. Mais fais ce que je te dis, crois-moi, je suis ta providence. Faut réfléchir. Santé. Alors, vous avez du nouveau? Oui, ben voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, hier matin... Voyez-vous? Hier matin, je prenais un verre près de la bijouterie Muller avec un copain, enfin un ancien collègue. Qui ça? D'Autrive, Justin D'Autrive. D'Autrive, ça me dit quelque chose, ça. Oui, il y a 4 ans à Pigalle, il a morflé une rafale dans la cuisse. Alors, un endosto et puis... Lors du braquage de la rue Fontaine, oui, je me souviens. Et il a préféré la retraite, hein? Oh non, non, les bureaux, c'était pas tellement son genre. Bref, hier avec lui, on avait repéré un gars qui se tenait près d'une station de métro. Mais parce qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau à un copain à nous qui habite Toulouse. Alors après m'avoir quitté, Justin, enfin, D'Autrive, il a vu le type sortir de la bijouterie Muller et il tenait une sacoche à la main. Et puis il est monté dans une camionnette. Bravo. On a fait un signalement. Il est solide. Le type du métro, vous êtes sûr que c'est pas votre copain de Toulouse? Oh non, il lui ressemble, c'est tout. Vous avez consulté le fichier? Non. J'ai préféré d'abord venir vous trouver. Bon. Allons-y. Vous connaissez monsieur le commissaire Martial? Ah oui, bien sûr. Quand j'étais à la chaussée d'Antin, on a opéré une fois ensemble pour un vol de magasin. Ah oui, en effet. J'ai mis monsieur le commissaire au courant de ton témoignage. Ah bon? Et malheureusement, au fichier, on n'a rien trouvé qui ressemble au signalement. Une seule solution. Que vous et Abadi m'établissiez un portrait robot du type aperçu près du métro. Ah d'accord. J'ai récupéré chez moi une vieille photo de Bouliac, prise l'an passé. Alors je l'ai fait tirer à plusieurs exemplaires, on travaillera dessus. Oui. Ça vous dérangerait pas trop de venir avec nous jusqu'au commissariat à côté? Ah, pas du tout, je vous suis. T'es gonflé, hein? Le gars, il avait des cheveux beaucoup plus épais, là, sur les côtés. Tu crois? Ben oui. Bon. Et les sourcils aussi étaient plus épais. Ouais. Mais ça, c'est possible, oui. Après tout, tu l'as observé plus longtemps que moi, toi. Attends, je cherche à me rappeler sa moustache, là. Elle était comme en droite, hein? Oui, mais attends, un peu plus épaisse, comme ça, là. Ah oui, t'as raison. Elle tombait un petit peu, hein? Donne. Ça, voilà. Voilà, ça. Ouais. Là. Ouais. Ouais, ça, voilà. Ouais. Voilà. Eh ben, on va montrer ça à tous les bijoutiers victimes de vol ces derniers mois. Ça m'étonnerait que ce gars-là en se mette sans coup d'essai. Ça marche? Oui, voilà le travail. Ça ne vous rappelle pas Corté Dany? Corté Dany, le rouquin? Mais il est en drôle. Non, non, son frère, surnommé Junior. Je connais pas, jamais vu. Il impédirait? Ah, je sais pas. J'avais eu l'occasion de rencontrer quand on cherchait à cravater le rouquin. En tout cas, ça lui ressemble. Allô, Bertrand? Corté Dany Junior, t'as des renseignements? On cherche un peu, j'attends. Ce serait formidable. Sans la moustache, on dirait bien Junior. Oui? Non, pas d'importance si tu n'as pas de photos. Des photos, nous, on en a. Merci. Cela en indique, Junior appartiendrait à la bande de Charlie. Aurait collaboré sous ses ordres à plusieurs cartes de bijouterie. Je vous redresse. Ah.
Merci pour votre collaboration. Cigarette. Merci. Ah, tu te feras toujours passer les là. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Oui. De toute façon, hein, au fichier, j'aurais rien trouvé, alors. Oh, tout de même, dis, t'as manqué de toc, non? Ah, bah dis, tu veux pas t'occuper d'une bonne femme à qui on a volé des pots de fleurs? J'ai pas le temps, hein. Salut, merci. Allez, je te laisse, va. Appelle-moi le séjour. Entendu. Entrez, messieurs. Asseyez-vous. Monsieur le commissaire, je suis restaurateur. Voici ma carte. Une des meilleures tables de Paris. Oui, je connais. Monsieur a déjeuné chez moi très copieusement. Homard terminard, bécasse aux truffes, etc. Après son café et trois pouces café, il se lève très calme et il quitte mon établissement. Je lui cours après, je le rattrape. Je vous ferai remarquer que je n'ai opposé aucune résistance, hein? Tout comme pour vous suivre ici. Oui, et quand je lui ai demandé pourquoi il refusait de payer, il m'a dit parce qu'il n'avait pas d'argent. Bien. Vous avez des papiers? Ah non. Ah, pourquoi? Parce que je les pompe tout le temps. Non, non, je m'appelle Dupré et 32 fois condamné je suis. Pour quel motif? Ah bah toujours le même, la gourmandise. Mes compliments. Vous travaillez? Quand je peux vraiment pas faire autrement. Hein. Oui, oui. Domicile? Ben là où on veut bien de moitrer. La semaine dernière, j'étais chez une veuve. Ben, il me reste le costard du défunt. Jolie mentalité. Ah, mais vous pouvez fouiner dans mon casier judiciaire. Hein. Ma parole, vous ne trouvez que des additions non payées. Je ne vous comprends pas. Travaillez, gagnez de l'argent et offrez-vous de bons repas. J'ai essayé, mais au prix où sont les trois étoiles, ma paye, elle faisait deux repas. C'est démoralisant. Ça. Vous avez le montant de la note? Nous n'avons pas eu le temps de la faire. Mais au moins 10 000 francs, sans le service. Ah, monsieur n'a pas lésiné. Chablis, Hermitage Rouge, etc. Songez que pour le dessert à lui tout seul, mille feuilles, baba et bombe pistache. Dame, mettez-vous à ma place. Une fois n'est pas coutume. Hein. Bon. Et il oblige de faire réparer la note, je la verserai au dossier. Hein. Très bien. Dites donc, vous. Vous savez que vous risquez au moins 6 mois de prison. Ah oui, mais le moyen de faire autrement, hein? Ne vous inquiétez pas, vous savez. Les jours passent vite. Quand on pense au petit gueuleton qui vous attend quelque part. Tiens, en tout cas, je vous recommande le restaurant de monsieur. À ça, je suis très satisfait. Très. Oui, un peu déçu par les bécasses, mais enfin, faut pas trop se plaindre. Hein. Comment, mes bécasses? Allons, n'en parlons plus. Non, je veux savoir. Eh bien, monsieur, on ne glisse pas par économie des truffes blanches avec des noirs. Par économie? Mais c'est voulu! Alors, monsieur, c'était une erreur de votre part. Bon, alors vous ne niez pas, il n'y a pas de contestation. Ah non, aucune. Très bien, nous allons enregistrer votre déposition. Vous en voulez un? Non, merci. Ah, vous avez tort. Ils sont fameux, ils viennent de chez vous. Mm-hmm. Dites-moi, vous n'avez pas un peu de feu par hasard? Allons-y. Je suis signé Dupré. Prénom? Joseph Arthur Marie. Thank you.
deuxième course, premier, le numéro 4, Guilfield. Deuxième, le numéro 3, Danois. Albert, tu sais pas ce qui m'arrive? Enfin, ce qui nous arrive. Oh, dis donc, j'étais aux courses cet après-midi à Vincennes. Hein? Eh ben, t'es verni, mon petit père, tu sais. Bon, j'arrive. Tout de suite. Le hasard me met en présence de ce gars-là. C'est plus du hasard, c'est de la provocation. Non, mais tu te rends compte, moi, Justin, je me trouve juste en face du kidam que toutes les polices de France recherchent. Corté Dany Junior. Tais-toi, parle moins fort. Hein? Oh, avec lui, rien à craindre, c'est un dévoué. Non, mais t'es bien sûr qu'il s'agit de Junior? Ah, ben un peu, oui. Dis donc, je suis peut-être à la retraite, mais le coup d'œil, je l'ai toujours. Et il habite cet hôtel? Mais je l'ai vu prendre la clé au tableau. Un autre? Si tu veux. Patron, la même chose. Crois-moi, cette rencontre au champ de course, c'est un signe du destin. Et moi aussi, j'y crois. Ben ouais. Et cette fois-ci, si tu profites pas de l'occasion, tu veux que je te dise ce que t'es? Oh, c'est pas la peine, hein. Oh. Mais jamais tu retrouveras une occasion pareille. À ma place, qu'est-ce que tu ferais? Ce que je ferais? Oui. Ah, tu cravates le junior, avec mon aide. Si, si, mais je t'accompagne. Et puis tu le ramènes au commissariat. Oh, dis donc, la tête du petit Leblanc. Oh, puis les deux autres, je les vois, là, le Martial et le Lambert, en train de te féliciter. Là. Bravo, mon cher, vous avez été formidable. Merci. Ah, puis dis donc, ce que j'en dis, moi, c'est pour toi. Hein. Parce que, entre nous, moi, j'ai rien à y gagner. Hein. Allez, santé. À la tienne. Ah, monsieur. Avoue que tu l'as regretté d'avoir donné l'information à Martial. Ouais, oh, peut-être. Je te comprends. Tu t'es rangé une petite vie peinard. Tu cherches pour les ennuis. Tu crades un peu, mais tout pour la tranquillité. Ah, pourtant, souviens-toi, dis donc, quand on a débuté il y a 16 ans. Ah oui, 16 ans déjà. Ah, dis donc, t'étais gonflé à bloc, hein, puis moi aussi. Ah, on en voulait. Toi, tu te voyais déjà commissaire principal en train de mener les enquêtes. Maigret avait tourné la tête. Hein. Ouais. Et au lieu de ça, les passeports et les vols de pots de fleurs. Eh oui, qu'est-ce que tu veux, hein. Là, 20 ans, on est tous les mêmes. On s'imagine qu'on va refaire le monde, et puis... Puis les années passent, quoi.
Oh, dis donc, quel dommage qu'on puisse pas le cravater tout de suite dans son plumard. Hein? Tu vois, moi, il y a un truc que j'ai jamais compris. C'est cette loi qui empêche d'arrêter les gens entre le coucher et le lever du soleil. Bah, ça serait plus commode, non? Quand même, il y a des risques. Lesquels? Vis-à-vis du patron, si on rate notre coup. Ah non, non, mais c'est fini, je ferme. Ah non, je peux pas, c'est fini. Mais t'as pas le droit de te défiler. Allez, monsieur, on ferme, hein. Ah oui, alors vous nous remettez encore deux petits derniers, là, puis on s'en va. Bon. Hein? Bon, alors demain, à l'aube, on se pointe devant sa piole. On rentre, tu demandes le numéro de la chambre, on monte, et on cravate. Mais s'il est armé? Bon, tu vois bien moyen de le blouser. Eh, hey, dis donc, quand on a arrêté Fredo tous les deux, hein? Le beau Fredo, il n'a pas eu le temps de sortir la panoplie. Hein. Oui, ça, c'était notre première affaire sérieuse à tous les deux. Oh, quel nouba à la suite de ça. Oh, dis donc, le champagne, c'est la mère Lacroix. Ouais. Et ta femme, qui te cherchait dans tout Paris? Je suis revenu 3 jours plus tard. Je lui ai dit, c'est pour le service, faudra t'y habituer. Elle m'a cru. La voie de vous mettre dehors, mais il faut que je ferme, hein. Ah, bah, on le sait. Bon, comment je vous dois, moi? Ah, non, dis pas question, non, c'est pour moi, vous mettez ça sur ma note. Ah, non, mais pas du tout. Ah, monsieur Justin est ici chez lui, hein. Ah. Bah, à la tienne, hein. Santé. Je connais un petit bar à côté d'ici qui reste ouvert toute la nuit. Oh, non, mais il faut que je rentre, moi. Ah, non, pas question, on reste ensemble jusqu'à l'aube, hein. Écoute, prenons plutôt rendez-vous demain matin, très tôt. Dis, je te connais, t'entendras pas ton réveil. Si j'ai sommeil, moi. Oh. Alors une nuit sans roupiller, ça te fait peur maintenant? Bah dis donc, dans le temps t'étais plus courageux. Et rappelle-toi, quand on était en planque en plein hiver, près du canal Saint-Martin. Bon ben, allons prendre un dernier verre, puis après on verra. Allez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Demain. Bonne nuit, messieurs. Bah, comptez sur nous. Quoi? Police. Il faut pas me faire des portes comme ça, quoi. J'ai Corté Denis, c'est quelle chambre? Je connais pas ce nom-là. Mais si, un grand type brun avec des moustaches. Il avait un complet gris hier. Mais c'est un de vos clients. Réveillez-vous, mon Dieu, allons. Ah ben, je sais pas, moi. À part monsieur Planchot, je connais personne qui corresponde à ce signalement-là. Quelle chambre? Le 12. Et la clé est au tableau. Eh ben, mais c'est qu'il n'est pas rentré. Il s'absente souvent la nuit? Ah oui, souvent. C'est un osseur. Il y a une commission à y faire? Non, ça va. Ah. On reviendra. Oh. C'est lui la pièce. Bon. Merci beaucoup. Hey. Vous n'auriez pas un petit ticket de métro? Tout est habité à la porte de mon frère, je suis un père de famille, je voudrais rentrer chez moi.
patron est arrivé. Il est dans son bureau. Qui est-ce? Corté Danny Junior, de la bande à Charlie. Bravo. Entrez. Bonjour, patron. Eh bien, vous avez l'air en pleine forme. Voilà, mon copain Justin, enfin, Dautry, vous le connaissez. Oui. Mais hier, il était aux courses. Et qu'est-ce qu'il repère? Corté Danny Junior. Alors, il le file, il me prévient, et ce matin, ben, on l'a accueilli, lui et moi. Quoi? Il est à côté, là. Mais il fallait me prévenir, voyons. J'ai pensé qu'il fallait gagner du temps. Sans ordre. J'ai pris sur moi cette initiative. Vous avez eu tort, Abadi. Pourquoi, patron? Allô, ici Lambert, passez-moi Martial. Il est en opération, bon. Alors, prévenez-le tout de suite, j'ai chez moi Corté Danny Junior. Faites-le entrer dans le bureau de Francin et restez avec lui. Bien, patron. C'est mieux que tu t'en ailles. Bon. Venez avec moi. Par ici. Asseyez-vous. M'interrogez pas? Pas encore. Mais prenez mes papiers, vérifiez, vous verrez, je ne suis pas l'homme que vous cherchez. Je m'appelle Planchon. Puis la comédie a assez duré. Je veux que vous préveniez mon avocat. Je suis vide, c'est vous! Ça ne sert à rien, c'est un dur, il ne parlera jamais. Ce que je veux, c'est charrier toute la bande. Où est-il? Dans le bureau de Francin. Il faut le relâcher tout de suite. Bonjour, monsieur. Vous avez des papiers? Oui, oui. Ôtez-lui les menottes. Ôtez-lui les menottes! Monsieur s'appelle Planchon, disiez-vous-même. Patron, enfin... Vous me faites perdre du temps. Vous me dérangez pour ça? Monsieur, je vous prie d'oublier cet incident. Vous êtes libre. Je suis heureux de vous entendre bien, monsieur le commissaire. Messieurs? Et toutes nos excuses. Mais c'est Corté Danny, ça. Je le sais. Mais pourquoi alors? On vous expliquera. Ça va pas? Je suis vachement gouré. Allez, t'inquiète pas, hein. Ça arrive. Bien l'honneur. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah ben ça, c'est pas croyable. Quand on rentre ici sans avoir l'air sinistre, il y a toujours quelqu'un pour vous poser la question, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, tu as vu Martial à la PJ? Oui. Comment sont-ils avec l'affaire Corté Danny? Oh, rien. C'est-à-dire? Ben, depuis quelques jours, on file le bonhomme. Et pas moyen de mettre la main sur le fameux Charlie, le cerveau de la bande.
Mais Martial prétend qu'en épinglant Charlie, on aura tous les autres. Tu sais que c'est un malin, Cortedani. Oui, ben ça, de toute façon, c'est pas nos oignons. Il vient de monter dans un taxi G7, une 404 de couleur, immatriculé 88 23 RT 75. Il s'engage dans l'avenue Niel. Il va passer dans votre secteur, prenez la suite. Compris, merci. Ah, je suis heureux de te voir. Enfin. Dis donc, qu'est-ce que tu fais avec ce tablier? Ne m'en parle pas.
J'ai essayé de faire marcher une machine à laver. Ouais, ouais, pas moyen de trouver une femme de ménage. Alors, Junior. Eh bien, tu vois, je m'installe. Viens voir. Regarde mon atelier. Les pierres, ça va encore. Mais les montres, je sais plus quoi en faire. Tu prendras bien un petit whisky. Dis donc, mais t'as grossi, toi. Hein? Bah, je me fais ma bouffe moi-même, hein. Alors forcément, je me gâte. Ah. Dis, quand même, je suis pas trop grossi. Non, pas trop, mais surveille toi. Tu veux un cigare? Non, merci. Et non, cette fois-ci, j'ai mis 6 jours à semer la flicaille. Un conseil, ne retourne pas à ton hôtel. Ouais, j'ai toutes mes frusques là-bas. Tant pis. Et tu rigoles, 5 complets neufs et 8 paires de pompes qui m'ont coûté une fortune. Un fiston, c'est trop dangereux. Oh, j'arriverai bien à les semer encore une fois. Faut que tu prennes des vacances. Avec quel argent? C'est que je t'ai donné. Ben, je l'ai placé dans des affaires immobilières. Te ferai une petite avance. Et dis-moi, la prochaine opération, c'est pour quand? Ou pas avant longtemps, je ne tiens pas à voir des pépins. Tout a trop bien marché jusqu'ici. Justement, tu te rends compte, 8 cas entre à moi. On a la baraka. Prudence, les journaux gambergent trop sur la bande à Charlie. S'ils savaient. Je suis comme petit artisan. Et tu as des chambres là-haut, tu pourrais peut-être m'héberger pendant quelques temps? Non, Junior. Je t'aime bien et ton frère m'a souvent dépanné. Mais tu es repéré par la police. Par un voyage n'importe où à l'étranger. Dans quelques mois, on décidera. Bon, d'accord, je suivrai ton conseil. On termine la bouteille en faisant une petite partie. Si tu veux. Allez. Allô? Je voudrais parler à M. Abadi, s'il vous plaît. Allô, Albert? C'est Justin. Tu sais pas ce qui m'arrive? Non, 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 mon vieux, moi je marche plus. Hein. Une blague. Une blague de plus et je suis viré. Mais cette fois-ci, c'est du gâteau. Tiens-toi bien. Corte et Danny est allé retrouver Charlie. D'abord, comment le sais-tu? T'es sûr? Oui, la dernière fois, t'étais sûr que tout se passerait bien. Depuis une semaine, je me crève la peau pour essayer de coincer Corté Dani. Je veux qu'on ait la revanche. Et cette fois-ci, c'est dans la poche. Allez, essaye de joindre Martial. Il est dans le bureau de Lambert. T'en fais pas, hein. Il sera content de le retrouver, son petit Corté Dani. Les gars de la PJ ont perdu la filature. Tiens, je te parie un verre par jour, pendant 6 mois. Pendant 6 mois? Un verre de quoi? Ce que je veux? Oui, un verre de ce que tu voudras. Bon, t'as un papier? Note. C'est en banlieue. Merci, salut. Dites-moi, monsieur, s'il vous plaît. Oui? Excusez-moi. À qui appartient la 3e villa en descendant, là? Celle avec la grille noire? Oui. Un bon client, monsieur Legrand. Ah bon, merci. Entrez. Je viens de recevoir un coup de fil de mon copain d'Hauterive, Justin. Oui. Oui. Il a remis la main sur Corté Dani. Où ça? En banlieue, chez un type qui a une villa. Selon lui, ce serait Charlie. Selon lui? Il n'a pas de preuve? Je pense pas. Non. Vous avez l'adresse? Ben voilà. Prenons le risque. Tu restes déjeuner avec moi? Oui, si tu veux. Je vais commander. À qui? À l'épicier italien, au supermarché à côté. Il me livre aussitôt, ça m'évite de faire la cuisine et de grossir. Un petit repas froid, ça te dit? Oh, d'accord. Alors, Amédéo? Ici, monsieur Legrand. Voulez-vous m'apporter un peu de saumon fumé et un poulet en gelée? Pour 2 personnes. Tout de suite, hein? On a faim. Entendu, monsieur Legrand. Entendu.
Eh ben, vous en avez... Police. Vous permettez, oui. Nous venons d'abord pour perquisitionner. Ben, donnez, fiston. Mais non, patron. Je le jure sur la tête de mon frère. Alors, tu es un minable. J'ai misé sur un mauvais cheval. Monsieur Martial, venez voir. Embarquer tout ça. Hein. Tu peux me le dire maintenant. Comment savais-tu qu'il s'agissait vraiment de Charlie? Bah, comme ça. En attendant, pendant les 6 mois à venir, tu m'offres des verres à l'œil, hein. Allez, allons prendre le premier, va.